Roya Asuna, 23 ans, joue de l'oud pour les enfants d'un camp à Rafah. Plus qu'une musique, une thérapie pour ces enfants traumatisés par le bruit des bombardements de Gaza par l'armée israélienne. À partir du moment où un enfant intègre mon cercle musical, il ne perçoit plus le bruit des avions et c'est la meilleure chose que je puisse lui offrir. Il ignore le bruit des avions pour écouter le son de l'oud et il chante. Les enfants représentent la moitié des 1,9 million de personnes déplacées depuis le début de la guerre dans le territoire palestinien, selon l'ONU. Je vais vivre mon enfance comme nous l'avons vécu avant. Aujourd'hui, nous ne savons pas où aller. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Il n'y a rien. Les activités culturelles offrent donc un répit à cette couche, à Rafah, en attendant peut-être que le Hamas et Israël n'enterrent la hache de guerre.